Dougie. Bonsoir tout le monde, bienvenue à la 13e séance du Conseil 2021-2025. Un moment de recueillement, s'il vous plaît. Point 1, ouverture de l'Assemblée et vérification des présences et du quorum. Maître Maillet. Les membres du Conseil sont tous présents, le quorum est atteint. Merci. Point 2, adoption de l'ordre du jour. Est-ce que j'ai un proposeur? Je propose d'adopter l'ordre du jour tout en mentionnant que le point 22 est retiré. Est-ce qu'on a un appuyeur? J'appuie. Tout le monde est en accord avec ça? Oui. Point 3, séance ordinaire du 11 avril 2022, approbation du procès-verbal. Est-ce qu'on a un proposeur? Alors, considérant qu'une copie du procès-verbal de la séance ordinaire du 11 avril 2022 a été remise à chacun des membres du Conseil à l'intérieur du délai prévu à l'article 333 de la loi sur le cité des villes et que de ce fait, la greffière est dispensée d'en faire la lecture, en conséquence, je propose d'approuver le procès-verbal de la séance ordinaire du 11 avril 2022. Est-ce qu'on a un appuyeur? J'appuie. Appuyé par M. Beauséjour, tout le monde est en accord avec ça? Oui. Point 4. Demande d'un projet particulier de construction, de modification ou d'occupation d'un immeuble, Mme Jessica Saint-Sauveur, groupe EVEX, 199 avenue du Paissieux-Saint, lot 2 901 041 et 2 900 939. Zone C01-052, second projet de résolution 2255 pour l'adoption. Est-ce qu'on a un proposeur? Je propose. Considérant la recommandation PPC-moi-2022-02-04 du Comité consultatif d'urbanisme, considérant l'Assemblée publique de consultation tenue le 14 avril 2022, en conséquence, je propose d'adopter le second projet de résolution visant à autoriser le projet présenté par Mme Jessica Saint-Sauveur dans le cadre du règlement sur les projets particuliers de construction, de modification ou d'occupation d'un immeuble, PPC-moi, numéro 45-2003, visant la requalification d'un terrain comportant un bâtiment industriel en habitation multifamiliale comportant 3 étages et 21 logements, le tout selon les conditions apparaissant à la recommandation PPC-moi-2022-02-04 du Comité consultatif d'urbanisme. Est-ce qu'on a un appuyeur? J'appuie. Appuyé par M. Beauséjour. Est-ce que tout le monde est en accord avec ça? Non, M. le maire, en fait, compte tenu de la consultation publique, moi, j'aimerais faire un appel au vote, compte tenu que les gens demandaient qu'il y ait 2 étages seulement pour le projet. Donc, je vais m'opposer. Parfait, M. Martin, on va procéder au vote. M. Beauséjour. D'accord. Mme Bertinotti. Je sais qu'il y en a plusieurs qui sont contre, mais j'ai des gens aussi qui m'ont contacté qui sont pour le projet, donc je suis pour. Mme Lafarge. Je suis contre. Monsieur Leduc. Je suis pour. Monsieur Champagne. Je suis contre. Monsieur Lassalle. Pour. Monsieur Saint-Cyr. Je suis pour. Monsieur Martel. Je suis contre. Donc, Maître Maillet, 5 contre 3. Est-ce que vous avez voté, Monsieur le maire? Non, je m'abstiens. Point 5, demande d'un projet particulier de construction, de modification, d'occupation d'un immeuble, M. Daniel Étier, 539 avenue du Paissieux-Saint, lot 2 901 032, zone H01-043, résolution 2212 pour l'adoption. Est-ce qu'on a un proposeur? Oui. Considérant que toutes les étapes de la procédure d'adoption d'un projet particulier de construction, de modification ou d'occupation d'un immeuble exigées par la loi sur l'aménagement et l'urbanisme ont été respectées, considérant la recommandation PPC-moi-2022-02-05 du Comité consultatif d'urbanisme, en conséquence, je propose d'accepter le projet présenté par M. Daniel Étier dans le cadre du règlement sur les projets particuliers de construction, de modification ou d'occupation d'un immeuble, numéro 45-2003, visant la requalification d'un bâtiment industriel en un bâtiment résidentiel comportant 3 logements et 1 local commercial, le tout selon les conditions apparaissant à la recommandation PPC-moi-2022-02-05 du Comité consultatif d'urbanisme. Est-ce qu'on a un appuyeur? J'appuie. Appuyé par M. Saint-Cyr. Est-ce que tout le monde est en accord avec ça? Oui. Point 6, demande d'un projet particulier de construction, de modification ou d'occupation d'un immeuble, M. Bruno Guité, 151 à 153 rue Lajoie-Sud, lot 2 902 502 et 2 902 499,
zone C03067, résolution 2256 pour l'adoption. Est-ce qu'on a un proposeur? Considérant que toutes les étapes de la procédure d'adoption d'un projet particulier de construction, de modification ou d'occupation d'un immeuble exigé par la loi sur l'aménagement et l'urbanisme ont été respectées, considérant la recommandation PPCMOI-2022-03-06 du Comité consultatif d'urbanisme, en conséquence, je propose d'accepter le projet présenté par M. Bruno Guitté dans le cadre du règlement sur les projets particuliers de construction, de modification ou d'occupation d'un immeuble, PPCMOI, numéro 45-2003, visant la requalification d'un terrain et permettant la construction d'un immeuble commercial mixte comportant 4 étages et 14 logements, le tout selon les conditions apparaissant à la recommandation PPCMOI-2022-03-06 du Comité consultatif d'urbanisme. Est-ce qu'on a un appuyeur? J'appuie. Appuyé par M. Beauséjour. Est-ce que tout le monde est en accord avec ça? Oui. Oui. Point 7, règlement 45-2003-23. Amendant le règlement 45-2003 sur les projets particuliers de construction, de modification ou d'occupation d'un immeuble, secteur des rues de la Nozière et Saint-Angélique-Sud pour l'adoption. Est-ce qu'on a un proposeur? Oui, alors considérant l'avis public dans le journal, conformément à l'article 126 de la loi sur l'aménagement et l'urbanisme, considérant l'Assemblée publique de consultation tenue ce jour, considérant que toutes les étapes de la procédure d'adoption d'un règlement d'urbanisme exigé par la loi sur l'aménagement et l'urbanisme ont été respectées, considérant que tous les membres du conseil présent déclarent avoir lu le règlement et renoncent à sa lecture, en conséquence, je propose d'adopter le règlement 45-2003-23, amendant le règlement 45-2003 sur les projets particuliers de construction, de modification ou d'occupation d'un immeuble, de manière à assujettir la zone 0H03-049, qui est localisée le long des rues de la Nozière et Saint-Angélique-Sud, au projet particulier de requalification d'un immeuble ou d'un secteur commercial, industriel ou institutionnel. Est-ce qu'on a un appuyeur? J'appuie. Appuyé par M. Lassalle. Est-ce que tout le monde est en accord avec ça? Oui. 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 Point 8, règlement 79-438. Amendant le règlement de zonage 79, pavillon piscine pour l'adoption. Est-ce qu'on a un proposeur? Considérant que toutes les étapes de procédure d'adoption de règlement d'urbanisme exigé par la loi sur l'aménagement et l'urbanisme ont été respectées, considérant que tous les membres du conseil présents déclarent avoir lu le règlement et renoncent à sa lecture. En conséquence, je propose d'adopter le règlement 79-438, amendant le règlement de zonage 79 afin de permettre l'implantation d'un pavillon de piscine sur un terrain comportant une résidence unifamiliale contiguë. Est-ce qu'on a un appuyeur? J'appuie. Appuyé par M. Martel. Est-ce que tout le monde est en accord avec ça? Oui. Oui. Point 9, ministère de la Culture et des Communications, espace bleu, proposition de candidature. Est-ce qu'on a un proposeur? Considérant la création du réseau des espaces bleus, afin de mettre en valeur l'héritage culturel québécois, considérant que ce projet fera rayonner la ville de Joliette, en conséquence, je propose de proposer la candidature des deux sites suivants pour l'établissement d'un espace bleu sur le territoire de la ville de Joliette. La résidence des Clercs de Saint-Viateur au 132 rue Saint-Charles-Borroménor à Joliette, l'évêché de Joliette 2 rue Saint-Charles-Borroménor à Joliette et d'abroger la résolution 21-546. Est-ce qu'on a un appuyeur? J'appuie. Appuyé par Mme Lafarge. Est-ce que tout le monde est en accord avec ça? Oui. 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 Point 10, règlement 170-2021-3, amendant le règlement 170-2021, gestion contractuelle, avis de motion. Est-ce qu'on a un proposeur? Alors, je donne avis de motion que lors d'une prochaine séance du Conseil sera adopté le règlement 170-2021-3, amendant le règlement 173-2021. Relatif à la gestion contractuelle afin d'augmenter la limite du seuil d'octroi de contrat de gré à gré à 100 000 $. Point 11, règlement 170-2021-3, amendant le règlement 170-2021, gestion contractuelle, dépôt du projet. Est-ce qu'on a un proposeur? En considérant le précédent avis de motion et que le règlement est disponible pour consultation, en conséquence, je propose de déposer le projet de règlement 170-2021-3. Amendant le règlement 170-2021 relatif à la gestion contractuelle afin d'augmenter la limite du seuil d'octroi de contrat de gré à gré à 100 000 $ qui sera adopté à une séance subséquente. Est-ce qu'on a un appuyeur? J'appuie. Tout le monde est en accord avec ça? Oui. Oui. Point 12, règlement d'emprunt 209, travaux d'effection des réseaux municipaux,
boulevard de la base de Locke et rue du Gas pour l'avis de motion. Est-ce qu'on a un proposeur? Alors, je donne avis de motion que lors d'une prochaine séance du Conseil sera adopté le règlement d'emprunt 209 relatif à des travaux de réfection des travaux d'aqueduc, d'égouts sanitaires, du pavage et des trottoirs, la mise en place d'un nouveau réseau d'égouts pluvial sur le boulevard Basse-de-Roc et de la rue du Gas, ainsi qu'un emprunt et une dépense de 11 963 000 et 210. L'objet... Oui, excusez. L'objet, c'est l'exécution des travaux de réfection des travaux d'aqueduc, d'égouts sanitaires, du pavage des trottoirs, la mise en place d'un nouveau réseau d'égouts pluviales sur le boulevard Basse-de-Roc et la rue du Gas. La portée, c'est tout le territoire. Le coût, c'est 11 963 210 $. Le mode de financement, c'est un emprunt par émission d'obligations sur une période de 20 ans. Et le mode de remboursement, c'est les revenus généraux. Point 13, règlement d'emprunt 209, travaux de réfection des eaux municipaux, boulevard de la base de Locke et rue du Gas, pour dépôt de projet. Est-ce qu'on a un proposeur? Alors, considérant le précédent avis de motion que le règlement est disponible pour consultation, en conséquence, je propose de déposer le projet de règlement d'emprunt 209 relatif à des travaux de réfection des réseaux d'aqueduc, d'égouts sanitaires, du pavage, des trottoirs, la mise en place d'un nouveau réseau d'égouts pluvial sur le boulevard Basse de Roc et la rue du Gas, ainsi qu'un emprunt et une dépense de 11 963 000 et 210 qui sera adopté à une séance subséquente. Est-ce qu'on a un appuyeur? J'appuie. Appuyé par M. Martel. Est-ce que tout le monde est en accord avec ça? Oui. 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 Point 14. Assurance, protection de la réputation et de la vie privée des élus et hauts fonctionnaires, renouvellement et autorisation. Est-ce qu'on a un proposeur? Alors, considérant que par sa résolution 20-575, la Ville de Joliette adhérait au regroupement d'achat d'assurance de l'Union des municipalités du Québec pour la protection de la réputation et la vie privée des élus et hauts fonctionnaires. Considérant le rapport du consultant fait aux autorités de l'IMQ qui recommandait de renouveler le contrat aux mêmes conditions et au même coût pour la période 2022-2023, en conséquence, je propose d'autoriser le renouvellement du contrat pour la fourniture des diverses couvertures d'assurance pour la protection des municipalités relatives à la réputation et à la vie privée des élus et des hauts fonctionnaires du regroupement avec la société BFL Canada pour les années 2022 et 2023, selon les conditions obtenues, et d'autoriser la trésorière à payer à BFL Canada la prime d'assurance au montant de 3 961 $ plus les taxes applicables, ainsi que le paiement des honoraires au montant de 425 $ plus les taxes applicables. Est-ce qu'on a un appuyeur? J'appuie. Appuyé par M. Lassalle. Est-ce que tout le monde est en accord avec ça? Oui. 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 Point 15. Achat regroupé de l'UMQ, service professionnel d'un consultant en assurance collective pour les municipalités pour l'autorisation. Est-ce qu'on a un proposeur? Oui. Considérant que la Ville de Joliette a reçu une proposition de l'Union des municipalités du Québec de former à son nom et au nom de plusieurs autres municipalités, MRC ou régies intermunicipales intéressées, un regroupement pour retenir les services professionnels d'un consultant en assurance collective pour les municipalités et organismes dans le cadre d'un achat regroupé de l'UMQ, considérant que les articles 29.9.1 de la loi sur les cités et villes permettent à une municipalité de conclure avec l'UMQ une telle entente, considérant que la Ville de Joliette désire se joindre à ce regroupement, considérant que conformément à la loi, l'UMQ procédera à un appel d'offres public pour octroyer le contrat, considérant que le dit processus contractuel est assujetti au règlement numéro 26 sur la gestion contractuelle de l'UMQ pour ses ententes de regroupement adoptées par le conseil d'administration de l'UMQ. Considérant que l'UMQ a lancé cet appel d'offres en mars 2022, en conséquence, je propose que la Ville de Joliette confirme son adhésion au regroupement de l'UMQ pour retenir les services professionnels d'un consultant en assurance collective pour les municipalités et organismes dans le cadre d'un achat regroupé et confier à l'UMQ le processus menant à l'adjudication du contrat. Que le contrat octroyé sera d'une durée d'une année, renouvelable d'année en année, sur une période maximale de 5 ans, que la Ville de Joliette s'engage à fournir à l'UMQ dans les délais fixés les informations nécessaires à l'appel d'offres, que la Ville de Joliette s'engage à respecter les termes et conditions du dit contrat, comme si elle avait contracté directement avec le fournisseur à qui le droit sera jugé, que la Ville de Joliette s'engage à payer l'UMQ des frais de gestion de 1,15% des primes totales versées par la Ville. Est-ce qu'on a un appuyeur? J'appuie. Appuyé par M. Leduc. Est-ce que tout le monde est en accord avec ça? Oui. Oui. Oui.
Point 16, procureur, cour municipale commune de Joliette, désignation, est-ce qu'on a un proposeur? Oui, considérant que par sa résolution 21-532, la Ville de Joliette renouvelait le contrat de service professionnel à Maître Pierre-Édouard Asselin, avocat, pour une période d'un an à titre de procureur de la cour municipale commune de Joliette, considérant que depuis 2020, Maître Hubert Girard s'est joint à l'équipe de Maître Asselin avec laquelle il a complété son stage du barreau, qui est membre du barreau depuis 2020 et que tout au long de son stage, Maître Girard a assisté Maître Asselin dans son rôle de procureur de la cour municipale, considérant que le contrat prévoit que les fonctions devaient être effectuées par Maître Asselin personnellement ou par Maître Beaupré à titre de substitut, considérant que dans un objectif de formation de la relève, il serait souhaitable que Maître Girard soit autorisé à agir à titre de représentant des municipalités et du directeur des poursuites criminelles et pénales devant la cour. En conséquence, je propose de désigner Maître Hubert Girard, avocat, comme procureur de la cour municipale commune de Joliette, conditionnellement à ce qu'il agisse uniquement en présence de Maître Asselin et sous la supervision étroite de celui-ci, qui doit répondre au travail de Maître Girard, le tout conformément aux dispositions de l'appel d'offres numéro 18-096. Est-ce qu'on a un appuyeur? J'appuie. Appuyé par M. Beauséjour. Est-ce que tout le monde est en accord avec ça? Oui. Oui. Point 17. Partie du lot 3 474 252, offre d'achat pour l'autorisation. Est-ce qu'on a un proposeur? Oui. Donc, considérant que l'offre d'achat par Mme Caroline Lefrançois et M. Marc-Antoine Forêt pour une partie du lot 3 474 252, soit une partie de l'emprise de la rue Martineau, afin de respecter la marge de recul nécessaire à la construction d'un garage rattaché au bâtiment principal, en conséquence, je propose d'approuver l'offre d'achat de Mme Caroline Lefrançois et de M. Marc-Antoine Forêt au montant de 2 455 $ pour une partie du lot 3 474 252, présentant une superficie d'environ 22 mètres carrés, et ce, conditionnellement à ce que l'entièreté des frais inhérents de la transaction soit assumée par des acheteurs, soit notaire, arpenteur, etc., ce que la vente soit faite sans garantie légale, d'autoriser le cas échéant, le maire et la greffière à signer pour et au nom de la Ville de Joliette les documents inhérents à la vente d'une partie du lot 3 474 252. Est-ce qu'on a un appuyeur? J'appuie. Appuyé par M. Martel. Est-ce que tout le monde est en accord avec ça? Oui. 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 Point 18. Surveillance et affaiblissement des glaces pour l'autorisation. Est-ce qu'on a un proposeur? Alors, considérant que la rivière L'Assomption borde les territoires des villes de Joliette, Notre-Dame-des-Prairies et Saint-Charles-Borromée, considérant qu'au printemps, des problèmes peuvent survenir lors des débâcles sur la dite rivière, considérant que l'article 572.1 de la loi sur les cités civiles permet à une municipalité de s'unir avec d'autres municipalités dans le but d'obtenir des services et de déterminer les modalités d'une telle union. Considérant les soumissions obtenues par la Ville de Saint-Charles-Borromée concernant la surveillance et l'affaiblissement des glaces, considérant les contrats suivants. Service d'une excavatrice amphibie de l'entreprise Éco-Technologie de Caraquet pour la somme de 15 965 $ plus taxes en surplus, pour la location de machinerie et un montant forfaitaire de 48 281 $ taxes en sus, pour 75 heures de main-d'œuvre d'opération au taux horaire de 643 $ 75 taxes en sus pour les heures supplémentaires. Service d'une pelle excavatrice longue portée à l'entreprise Excavation Normand Majot pour la somme de 3 150 $ taxes en sus pour la location de machinerie et d'un taux horaire de 265 $ pour la main-d'œuvre d'opération. Service rattaché à la réalisation de travaux d'affaiblissement préventif du couvert de glace sur la rivière L'Assomption à l'entreprise Hydro-Météo pour la somme de 52 900 $ taxes en sus. Et les services rattachés à la réalisation de travaux de l'aéroglisseur sur le couvert de la glace de la rivière L'Assomption à l'entreprise Hydro-Météo pour la somme de 12 877 $ taxes en sus. En conséquence, je propose d'autoriser la trésorière à payer à la Ville de Saint-Charles-Borromée la part de la Ville de Joliette, soit un tiers des travaux reliés à la surveillance et à l'affaiblissement des glaces de la rivière L'Assomption sur présentation des factures. Est-ce qu'on a un appuyeur? J'appuie. Appuyé par M. Leduc, est-ce que tout le monde est en accord avec ça? Oui. Oui. Point 19, protocole d'entente vendredi acoustique 2022, Centre culturel Desjardins pour l'autorisation. Est-ce qu'on a un proposeur? Oui. Considérant l'article 573.3.4 de la loi sur les cités et villes, en conséquence, je propose d'approuver le contrat intervenir entre la Ville de Joliette et le Centre culturel Desjardins relatif à la gestion des vendredis acoustiques.
d'autoriser le maire et la greffière à signer pour et au nom de la ville de Joliette un contrat d'une valeur de 75 000 $ avec le Centre culturel Desjardins, de même que tout document jugé nécessaire ou utile afin de donner plein effet à la présente résolution. Est-ce qu'on a un appuyeur? Oui. Appuyé par Mme Lafarge. Est-ce que tout le monde est en accord avec ça? Oui. Oui. Point 20. Agence Evenco, contrat pour l'autorisation. Est-ce qu'on a un proposeur? Oui. Considérant l'article 573.3.4 de la loi sur les cités et villes, en conséquence, je propose d'approuver le contrat intervenu entre la ville de Joliette et l'agence Evenco relatif à la présentation d'un spectacle lors de la Fête nationale 2022. Et d'autoriser le directeur du service des loisirs de la culture à signer pour et au nom de la ville de Joliette un contrat d'une valeur de 35 000 $ plus taxes applicables, de même que tout document jugé nécessaire ou utile afin de donner plein effet à la présente résolution. Est-ce qu'on a un appuyeur? Oui, j'appuie. Appuyé par Mme Lafarge. Est-ce que tout le monde est en accord avec ça? Oui. Oui. Point 21. Société d'histoire de Joliette de la Naudière. Amendement à la résolution 21-624. Est-ce qu'on a un proposeur? En considérant les modifications aux règlements généraux de la Société d'histoire de Joliette de la Naudière, considérant que la ville de Joliette doit désigner une personne à titre d'observateur, en conséquence, je propose d'amender la résolution 21-624 afin de nommer M. Cédric Champagne à titre d'observateur pour la Société d'histoire de Joliette de la Naudière. Est-ce qu'on a un appuyeur? J'appuie. Appuyé par M. Leduc. Est-ce que tout le monde est en accord avec ça? Oui. 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 Le point 22 a été retiré de l'ordre du jour. Le point 23, Tourisme La Naudière, candidature pour l'autorisation. Est-ce qu'on a un proposeur? Considérant l'invitation de Tourisme La Naudière pour l'Assemblée générale annuelle, considérant que les membres de la table d'orientation seront élus lors de cette Assemblée générale annuelle, en conséquence, je propose d'autoriser M. Luc Beauséjour, conseiller, à déposer sa candidature pour être membre à la table d'orientation. Que M. Cédric Champagne, conseiller, soit nommé comme substitut, le cas échéant. Est-ce qu'on a un appuyeur? J'appuie. Appuyé par M. Martel. Est-ce que tout le monde est en accord avec ça? Oui. Oui. Point 24. Association canadienne pour la santé mentale, division du Québec. Semaine nationale de la santé mentale, proclamation. Est-ce qu'on a un proposeur? Oui. Considérant que la Semaine nationale de la santé mentale se déroule du 2 au 8 mai 2022, considérant que l'Association canadienne pour la santé mentale, division du Québec, membre du réseau qui initie l'événement depuis 71 ans, invite cette année à prendre conscience de l'importance de l'empathie, considérant que nous avons tous une santé mentale dont il faut prendre soin et que celle-ci a été mise à l'épreuve à bien des égards pendant la pandémie, considérant que les campagnes de promotion de la santé mentale visent à améliorer la santé mentale de la population du Québec, considérant que les municipalités contribuent au bien-être de la population en mettant en place des environnements favorables à la vie du quartier, considérant que la santé mentale est une responsabilité collective et que cette dernière doit être partagée par tous les acteurs de la société, considérant qu'il est d'intérêt général que toutes les municipalités du Québec soutiennent la Semaine nationale de la santé mentale, en conséquence, je propose que la ville de Joliette proclame la semaine du 2 au 8 mai 2022, semaine de la santé mentale, et invite tous les citoyens, les entreprises et les institutions à partager, j'imagine, l'hashtag « Parler pour vrai » et à partager la trousse d'outils de la campagne de la Semaine nationale de la santé mentale dans le thème et l'empathie. Ensemble, contribuant à transformer notre municipalité en un environnement favorable à la santé mentale des citoyens. Est-ce qu'on a un appuyeur? J'appuie. Appuyé par M. Beauséjour. Est-ce que tout le monde est en accord avec ça? Oui. 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 Point 25. Liste des comptes à payer du 30 mars au 12 avril 2022 pour l'approbation. Est-ce qu'on a un proposeur? Oui. Considérant que la trésorière de la ville de Joliette a déposé et remis à chacun des membres du conseil la liste détaillant les dépenses autorisées par délégation du conseil en vertu du règlement 172-2020 au montant de 3 456 050 $ 29 sous pour la période du 30 mars au 12 avril 2022 et la liste des comptes à payer pour la même période, en conséquence, je propose d'approuver la liste des comptes à payer pour la période s'étendant du 30 mars au 12 avril 2022 et d'autoriser la trésorière à payer pour et au nom de la ville de Joliette les comptes inscrits au rapport annexé à la présente résolution pour en faire partie intégrante.
liste des dépenses autorisées par délégation et des comptes à payer pour la période du 30 mars au 12 avril 2022. A. Liste des transferts électroniques, 1 191 514,56 $. B. Pardon. B. La liste des chèques, 145 126,42 $. Et C. La liste des paiements effectués via Accédé pour 3 442 790. C'est plutôt 3 442 790,80 $, pour un total de 4 779 431,79 $. Est-ce qu'on a un appuyant? J'appuie. Appuyé par M. Beauséjour. Est-ce que tout le monde est en accord avec ça? Oui. Oui. Point 26. École Sainte-Thérèse, projet d'embellissement de la cour d'école, aide financière pour l'autorisation. Est-ce qu'on a un proposeur? Alors, considérant la demande d'aide financière de l'École Sainte-Thérèse pour le projet d'embellissement de leur cours d'école, en conséquence, je propose d'autoriser la trésorière à verser une aide financière à l'École Sainte-Thérèse de 12 000 pour le projet d'embellissement de leur cours d'école, et ce, conditionnellement à ce que la cour d'école soit accessible à tout temps à la population générale, y compris lors de la construction de la nouvelle école. Est-ce qu'on a un appuyant? J'appuie. Appuyé par M. Beauséjour. Est-ce que tout le monde est en accord avec ça? Oui. Oui. Point 27. Centre de service des Samars, centre multisport, facture CSS000000680 et C100000003. Est-ce qu'on a un proposeur? Oui. Alors, considérant la résolution 21-118 qui convenait de payer 50% de la facture numéro CSS 180 couvrant la période du 1er juillet au 31 décembre 2020, soit une somme de 89 500. Considérant l'évolution du dossier et une meilleure compréhension de l'impact de la pandémie, les trois villes liées par le protocole d'entente proposent de procéder au paiement des factures. En conséquence, je propose d'autoriser la directrice des finances et trésorière à payer 50% de la facture numéro CSS 680 couvrant la période du 1er janvier 2021 au 30 juin 2021. Soit une somme de 89 500, ainsi que la facture C1-3 couvrant la période du 1er juillet 2021 au 30 juin 2022, au montant de 179 000, le tout pour un montant total de 268 500. Est-ce qu'on a un appuyant? J'appuie. Appuyé par M. Leduc. Est-ce que tout le monde est en accord avec ça? Oui. Oui. Point 28. Politique favorisant le télétravail, mise à jour, approbation. Est-ce qu'on a un proposeur? Oui. En considérant que par sa résolution 21-528, les membres du Conseil ont adopté la politique favorisant le télétravail, en conséquence, je propose d'approuver la mise à jour de la politique favorisant le télétravail afin d'optimiser le concept de télétravail dans l'organisation du travail de la Ville de Joliette. Est-ce qu'on a un appuyant? J'appuie. Appuyé par M. Martel. Est-ce que tout le monde est en accord avec ça? Oui. 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 Point 29. Embauche d'un inspecteur en bâtiment aménagement du territoire. Est-ce qu'on a un proposeur? Oui. Oui. Considérant la création du deuxième poste permanent d'inspecteur en bâtiment au sein du service d'aménagement du territoire et la nécessité de le combler, en conséquence, je propose que la Ville de Joliette embauche Mme Dominique Gamelin au poste d'inspecteur en bâtiment au sein du service d'aménagement du territoire, que la date de son entrée en fonction soit fixée au 16 mai 2022, que cette embauche soit assujettie à une période de probation de 120 jours de travail, débutant la date d'entrée en fonction en vue de l'obtention d'une permanence à ce poste, qu'à son entrée en fonction, sa rémunération soit établie à la classe 8 de la convention collective en vigueur du Syndicat canadien de la fonction publique, section locale 5303, col blanc, d'autoriser Mme Dominique Gamelin à émettre des constats d'infraction et à faire l'application de la réglementation municipale de la Ville de Joliette en matière de circulation, stationnement et des nuisances, dont notamment les règlements 80-2008, 82-2008, et 97-2011, et leur amendement, de nommer Mme Dominique Gamelin à titre d'officier responsable afin de voir à l'application de la réglementation d'urbanisme de la Ville de Joliette. Mme Gamelin devra avoir complété son attestation d'études collégiales en inspection municipale en bâtiment et en environnement avant le 15 septembre 2022 comme condition du maintien d'emploi. Est-ce qu'on a un appuyant? J'appuie. Appuyé par M. Beauséjour. Est-ce que tout le monde est en accord avec ça? Oui. Oui. Point 30, embauche d'un directeur adjoint co-municipal grec et affaires juridiques. Est-ce qu'on a un proposeur? Oui. Considérant la création du poste de directeur adjoint de la co-municipale au sein du service du greffe et des affaires juridiques et la nécessité de le combler, en conséquence, je propose que la Ville de Joliette embauche
Mme Caroline Saint-André au poste de directeur adjoint à la Cour municipale au sein du service du greffe et des affaires juridiques, que la date de son entrée en fonction soit fixée au 24 mai 2022, que cette embauche soit assujettie à une période d'essai de 6 mois, débutant la date d'entrée en fonction en vue de l'obtention d'une permanence à ce poste, qu'à son entrée en fonction, sa rémunération soit établie à la classe 3, échelon 6 du protocole applicable aux cadres et aux personnels non syndiqués. Est-ce qu'on a un appuyeur? J'appuie. Appuyé par M. Beauséjour. Tout le monde en accord avec ça? Oui. Oui. Point 31. M. Daniel Bonin, permanence, contremaître, travaux publics et services techniques. Est-ce qu'on a un proposeur? Oui. Considérant que, par sa résolution numéro 21-594, le conseil municipal procède à l'embauche de M. Daniel Bonin au poste de contremaître au sein du service des travaux publics et services techniques, considérant que cette embauche était assujettie à une période d'essai de 6 mois à compter du 1er novembre 2021, date de son entrée en fonction en vue de l'obtention d'une permanence. En conséquence, je propose de nommer M. David Bonin au poste permanent de contremaître. Daniel Bonin, excusez-moi, au poste permanent de contremaître au sein du service des travaux publics et services techniques à compter du 1er mai 2022, le tout conformément aux dispositions du protocole applicable aux cadres et au personnel non syndiqué. Est-ce qu'on a un appuyeur? J'appuie. Appuyé par M. Leduc. Est-ce que tout le monde est en accord avec ça? Oui. 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 Point 32, soumission numéro AP22007, surveillance de chantier et l'effection des infrastructures de la rue Piette entre les rues Saint-Pierre-Sud et Cyr-Mathias-Tellier, parallèle 54, Expert Conseil Inc. pour l'adjudication de contrats. Est-ce qu'on a un proposeur? Considérant la demande de soumission par voie d'invitation écrite pour des services professionnels pour la surveillance de chantier dans le cadre des travaux de réfection des infrastructures de la rue Piette entre les rues Saint-Pierre-Sud et Cyr-Mathias-Tellier, considérant que l'adjudication de ce contrat est assujettie au système d'évaluation et de pondération des offres, considérant que 5 entreprises ont été invitées à soumissionner et que de ce nombre, 2 ont remis une soumission, considérant que les dites soumissions ont été reçues dans les délais, soit avant le 5 avril 2022 à 11h, considérant l'analyse et la recommandation du comité de sélection, en conséquence, je propose d'adjuger aux conditions prévues dans les documents d'appel d'offres AP22-007 le contrat pour la surveillance de chantier dans le cadre des travaux de réfection des infrastructures de la rue Piette entre les rues Saint-Pierre-Sud et Cyr-Mathias-Tellier aux soumissionnaires ayant atteint le plus haut pointage et dont la soumission est conforme, soit à parallèle 54, Expert Conseil Incorporé, au montant de 77 000 $ avant taxe. Est-ce qu'on a un appuyeur? J'appuie. Appuyé par M. Martel. Est-ce que tout le monde est en accord avec ça? Oui. 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 Point 33, soumission numéro AP22009, contrôle des matériaux et l'effection des infrastructures de la rue Piette entre les rues Saint-Pierre-Sud et Cyr-Mathias-Tellier, les services EXP Inc. pour l'adjudication de contrats. Est-ce qu'on a un proposeur? Oui, alors considérant la demande de soumission par voie d'invitation écrite pour le contrôle des matériaux dans le cadre des travaux de réfection de la rue Piette entre les rues Saint-Pierre-Sud et Mathias-Tellier, considérant que l'adjudication de ce contrat est assujetti au système d'évaluation et de pondération des offres, considérant que 3 entreprises ont été invitées à soumissionner et que de ce nombre, 2 ont remis une soumission, considérant que les dites soumissions ont été reçues dans les délais, soit avant le 5 avril 2022 à 11h, considérant l'analyse et la recommandation du comité de sélection, en conséquence, je propose d'adjuger, aux conditions prévues dans les documents d'appel d'offres AP22-009, le contrat pour le contrôle des matériaux dans le cadre des travaux de réfection de la rue Piette entre les rues Saint-Pierre-Sud et Sœur-Mathias-Tellier aux soumissionnaires ayant atteint le plus haut pointage et dont la soumission est conforme, soit à les services EXP Inc. au montant de 43 970 000 $ avant taxe. Est-ce qu'on a un appuyeur? J'appuie. Appuyé par M. Leduc, est-ce que tout le monde est en accord avec ça? Oui. Oui. Point 34, soumission numéro AP22019, imprimante multifonction haute productivité, les équipements de bureau des Laurentides Inc. pour l'adjudication de contrats. Est-ce qu'on a un proposeur? Considérant la demande de soumission par voie d'invitation écrite pour la location de 3 imprimantes multifonctions haute productivité pour une période de 5 ans, soit pour une pour le garage municipal et 2 pour l'hôtel de ville. Considérant que 3 entreprises ont été invitées à soumissionner, lesquelles ont remis une soumission conforme. Considérant que les dites soumissions ont été reçues dans les délais, soit avant le 7 avril 2022, 11h, en conséquence, je propose d'adjuger au contrat prévu dans les documents d'appel d'offres
AP22-019 le contrat pour la location de 3 imprimantes multifonctions haute productivité pour une période de 5 ans à l'entreprise Les Équipements de bureau des Laurentides Incorporés, laquelle a déposé la plus basse soumission conforme sur une base des prix unitaires, inscrit au formulaire de soumission suivant les quantités estimées au montant de 51 444 avant taxe. Est-ce qu'on a un appuyeur? J'appuie. Appuyé par M. Martel. Est-ce que tout le monde est en accord avec ça? Oui. Point 35, soumission numéro AP22027, câble aérien, Lumen, division de Sonépar Canada Inc., adjudication de contrat. Est-ce qu'on a un proposeur? Alors, considérant que l'appel d'offres pour l'achat d'un câble aérien a été publié sur le système électronique d'appel d'offres ainsi que dans le journal local, considérant que 3 soumissions ont été reçues dans les délais et ouvertes en date du 14 avril 2022, en conséquence, je propose d'adjuger aux conditions prévues dans les documents d'appel d'offres AP22-027 le contrat pour l'achat de câbles aériens à l'entreprise Lumen Division de Sonépar Canada Incorporé, laquelle a déposé la plus basse soumission conforme sur la base des prix unitaires au montant de 67 938 $ et 60 sous avant taxe. Est-ce qu'on a un appuyant? J'appuie. Appuyé par M. Beauséjour. Est-ce que tout le monde est en accord avec ça? Oui. Point 36, soumission numéro AP22036, opération de rinçage et inspection des bandes d'incendie et les eaux d'aqueduc 2223 Nordico Inc. pour l'adjudication de contrat. Est-ce qu'on a un proposeur? Alors, considérant la demande de soumission par voie à l'invitation écrite pour une opération de rinçage du réseau d'aqueduc ainsi que l'inspection des bandes d'incendie pour les années 2022-2023, considérant que 5 entreprises ont été invitées à soumissionner et que de ce nombre, 2 entreprises ont remis une soumission, considérant que les dites soumissions ont été reçues dans les délais soit avant le 7 avril 2022 à 11 heures. En conséquence, je propose d'adjuger aux conditions prévues dans les documents d'appel d'offres AP22-036 le contrat pour une opération de rinçage du réseau d'Acaduc ainsi que l'inspection des bornes d'incendie pour les années 2022-2023 à l'entreprise Nordico Incorporé, laquelle a déposé la plus basse soumission conforme sur la base des prix unitaires inscrits au formulaire de soumission suivant les quantités estimées au montant de 64 075 $ avant taxe. Est-ce qu'on a un appuyeur? J'appuie. Appuyé par M. Martel. Est-ce que tout le monde est en accord avec ça? Oui. Point 37, soumission numéro AP22048, coupe de gazon 2022, espace public, les pelouses M et No pour l'adjudication de contrat. Est-ce qu'on a un proposeur? Alors, considérant que l'appel d'offres pour la coupe de gazon 2022 dans les espaces publics a été publié par le système sur le système électronique d'appel d'offres ainsi que dans le journal local, considérant qu'une seule soumission a été reçue dans les délais et ouverte en date du 11 avril 2022, considérant l'article 573.3.3 de la loi sur les cités et villes stipulant que dans le cas où une municipalité a, à la suite d'une demande de soumission, reçu une seule soumission conforme, elle peut s'entendre avec le soumissionnaire pour conclure le contrat à un prix moindre que celui proposé dans la soumission. En conséquence, je propose d'adjuger aux conditions prévues dans les documents d'appel d'offres AP22-048 le contrat pour la coupe de gazon 2022 dans les espaces publics à l'entreprise Les Pelouses M&O, laquelle a déposé la seule soumission conforme au prix unitaire négocié à 7 188 $ pour la zone A et de 6 663 $ pour la zone B pour un total approximatif de 138 510 $ avant taxe. Est-ce qu'on a un appuyant? J'appuie. Appuyé par M. Martel. Est-ce que tout le monde est en accord avec ça? Oui. Point 38, soumission numéro AP22049, coupe de gazon 2022, parcs municipaux, pour l'adjudication de contrat. Est-ce qu'on a un proposeur? Oui. Considérant la demande de soumission par voie d'invitation écrite pour la coupe de gazon 2022 dans les parcs municipaux, considérant que 8 entreprises ont été invitées à soumissionner et que de ce nombre, 3 entreprises ont remis une soumission, considérant que les dites soumissions ont été reçues dans les délais, soit avant le 6 avril 2022 à 11 heures. En conséquence, je propose d'adjuger aux conditions prévues dans les documents d'appel d'offres AP22-049 le contrat pour la coupe de gazon 2022 dans les parcs municipaux aux entreprises ayant offert les plus basses soumissions conformes, soit zone 1, 9361-2612 Québec Inc., Dauphin Multiservice, au prix unitaire de 1 840 $ la coupe pour un montant approximatif de 23 920 $ plus les taxes applicables. Zone 2, les pelouses M&O au prix unitaire de 2 200 $ la coupe
pour un montant approximatif de 28 600 $ plus les taxes applicables, pour un montant total approximatif de 55 520 $ plus les taxes applicables. Est-ce qu'on a un appuyeur? J'appuie. Appuyé par M. Leduc. Est-ce que tout le monde est en accord avec ça? Oui. Oui. Point 39, Confédération des syndicats nationaux, fête des travailleurs, l'utilisation de l'espace public pour l'autorisation. Est-ce qu'on a un proposeur? Oui, alors considérant la demande de la Confédération des syndicats nationaux, la CSN, pour la tenue de l'événement Fête des travailleurs, en conséquence, je propose d'autoriser la CSN à tenir l'événement Fête des travailleurs qui aura lieu au Parc Antonio Barrette le 1er mai 2022 de 11h à 13h30, d'autoriser le prêt de matériel, l'accès à l'électricité et l'installation des jeux gonflables sans ancrage au sol pour la tenue de l'événement. Le tout conditionnellement à ce que les requérants se conforment aux différents règlements en vigueur, municipaux, MAPAC, SOCAN, RBQ, RACJ, et tout autre règlement applicable aux mesures sanitaires de la santé publique en vigueur, et avise au préalable la Sûreté du Québec de la tenue de leur événement. De recommander la présence de secouristes, si requis, lors de l'événement. Est-ce qu'on a un appuyeur? Oui, j'appuie. Appuyé par Mme Lafarge. Est-ce que tout le monde est en accord avec ça? Oui. 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 Point 40, les expos de la Naudière Nord, tournoi de baseball provincial U13A, utilisation de l'espace public pour l'autorisation, est-ce qu'on a un proposeur? Oui. Considérant la demande de l'organisme, les expos de la Naudière Nord, en conséquence, je propose d'autoriser les expos de la Naudière Nord à tenir un tournoi de baseball provincial U13A qui aura lieu au parc Saint-Jean-Baptiste les 1er et 2 juillet 2022, de 9h à 22h. Et le 3 juillet 2022, de 9h à 18h. D'autoriser le prêt de matériel, l'accès à l'eau et à l'électricité, l'installation des jeux gonflables sans ancrage au sol, l'utilisation de barbecue et la vente d'alcool et de hot-dogs au profit de l'organisme. Le tout, conditionnellement à ce que les requérants se conforment aux différents règlements en vigueur, municipaux, MAPAC, SOCAN, RBQ et RACJ, et toute autre réglementation applicable aux mesures sanitaires de la santé publique en vigueur et avise au préalable la Sûreté du Québec de la tenue de leur événement. De recommander la présence de secouristes si requis lors de l'événement. Est-ce qu'on a un appuyeur? J'appuie. Appuyé par M. Leduc. Est-ce que tout le monde est en accord avec ça? Oui. 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 Point 41. Le carré Saint-Louis, dîner hot-dog annuel, utilisation de l'espace public pour l'autorisation. Est-ce qu'on a un proposeur? Oui. Considérant la demande de l'organisme Le carré Saint-Louis, en conséquence, je propose d'autoriser le carré Saint-Louis à tenir un dîner hot-dog annuel qui aura lieu sur la rue Saint-Joseph, entre les rues Saint-Louis et Fabre, le 15 juin 2022, de 11h30 à 13h30. D'autoriser la fermeture de la rue Saint-Joseph, entre les rues Saint-Louis et Fabre, de 9h à 16h. D'autoriser le directeur des travaux publics et services techniques à installer la signalisation requise pour la fermeture desdites rues, d'autoriser le prêt de matériel, l'utilisation de barbecue et la vente de hot-dogs et de boissons non alcoolisées au profit de l'organisme, le tout conditionnellement à ce que les requérants se conforment aux différents règlements en vigueur, municipaux, MAPAC, SOCAN, RBQ et RACJ, et toute autre réglementation applicable, aux mesures sanitaires de la santé publique en vigueur et avise au préalable la Sûreté du Québec de la tenue de leur événement, de recommander la présence de secouristes si requis lors de l'événement. Est-ce qu'on a un appuyeur? J'appuie. Appuyé par M. Beauséjour. Est-ce que tout le monde est en accord avec ça? Oui. 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 Point 42. Activité de financement d'organismes, présentations diverses. Est-ce qu'on a un proposeur? Oui. Je propose d'autoriser la trésorière à verser une aide financière aux organismes suivants. Fondation Raymond Gaudreau, 150 $, l'Atablé, 200 $. D'autoriser les membres du conseil qu'ils désirent à représenter la ville de Joliette et d'autoriser la trésorière à procéder à l'achat de billets à cette fin. Chambre de commerce du Grand Joliette, dîner mensuel, 2 mai 2022, 2 billets. Est-ce qu'on a un appuyeur? J'appuie. Appuyé par M. Beauséjour. Est-ce que tout le monde est en accord avec ça? Oui. Oui. Aucun élément au point 43 dans divers. Point 44, dépôt de rapport. La greffière dépose aux membres du conseil le document suivant. Liste de la correspondance reçue en date du 25 avril 2022. Point 45, date et heure de la prochaine assemblée. La prochaine assemblée ordinaire se tiendra le 9 mai 2022 à 19h à la salle du conseil de l'Hôtel de Ville de Joliette.
Je vous informe que ce point met fin à la webdiffusion de ce soir, une période de questions réservée aux gens présents suivant la fin de la webdiffusion. La séance sera levée à la suite de la période de questions. Au nom des membres du Conseil et en mon nom personnel, je vous remercie de votre présence. Bonne soirée. Alors, nous en sommes au point 47.